Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette rencontre qui s'annonce au mieux. Pourquoi ? Parce que le ciel est dégagé, parce que la pelouse a été pichonnée, parce que l'échauffement s'est parfaitement passé. On a même vu des attaquants réussir des frappes incroyables en pleine lucarne pendant cet ultime entraînement. Je peux vous dire que s'ils les reproduisent en match, on va se régaler. Bref, l'ambiance est magnifique et on espère forcément entendre ce stade vibrer au rythme des très nombreuses occasions. Au passage, j'espère que vous appréciez ce stade. Plus un siège de vide. On devrait donc avoir deux lignes de 4 et deux attaquants. Dans ce système, les milieux axiaux ont un rôle clé. Ils doivent produire beaucoup d'efforts à la fois pour accompagner les attaques, mais aussi dans le replacement défensif. Il faut trouver le bon équilibre. En ayant par exemple un joueur qui reste libre pour venir compenser à la perte de balle. Et coup d'envoi de ce match. Ça sprint côté gauche. Il met le ballon dans la surface. Il la repousse. Bon dégagement. Quel timing dans l'interception. La Gantoise qui cherche l'étincelle. Le ballon dans la profondeur. Il a du champ sur le côté. Dans la boîte. La parade, magnifique. Il tire. C'est dedans. Aucun rêve d'observation. Le capitaine frappe d'entrée. Ah oui, il fallait pas arriver en retard pour ce match. Espérons qu'il reste sur la même lancée. Gardien n'a pas pu capter le ballon sur le premier tir et il l'a payé cash. C'est vrai que c'est une grosse boulette, mais surtout l'attaquant a bien senti le coup. Quelle belle entame après cette ouverture du score dans les premières minutes. Il frappe loin devant. La Gantoise qui essaye de construire. Ça passera sur le côté. Oh, le duel. C'est récupéré facilement. Un long ballon vers l'avant. Oh, le contre, l'arme fatale. Ça joue long. Ça va sur l'aile. Bien joué à droite, il faut aller vite. Long ballon dans le sens du jeu. C'est joué long. La passe est précise. Oh, il y avait danger. Le cavé contré. Qui semble jouer davantage sur les ailes en ce moment. Oui, c'est vrai. On le voit bien d'ailleurs depuis notre poste commentateur. Et dans quel but, à votre avis, Darren? Je pense qu'ils essaient d'étirer un peu le bloc parce que c'est quand même très compact en face. Ils sont patients dans la construction, mais il faut faire la différence. Bon service dans la profondeur. Passe interceptée. Il allonge vers l'avant. Ce long ballon ne donnera rien. La Gantoise qui mène toujours 1-0 et qui contrôle le ballon plutôt tranquillement. Allez, il faudrait aller de l'avant maintenant. Ça joue long vers l'avant.
a pas eu de round d'observation dans ce bon début de match. Il mène donc 1-0. Oh la maîtrise, quel bonheur pour les yeux. Ça n'a pas pu aller plus loin. Oh, ce jeu de passe, quel régal! Va-t-il en profiter? Il l'a vu. Le gros dégagement. Il décide d'allonger le jeu. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Ça joue long vers l'avant. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. C'est joué derrière. C'est plutôt intelligent. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. C'est bien donné. Il frappe. Et oui, but. Deux buts d'avance, la différence est faite. Quelle envie, il s'est jeté sur ce ballon. C'est vrai qu'il est plus rapide que tout le monde, mais la défense est restée trop passive. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. Ce but change quand même beaucoup de choses. À 2-0, on est quand même plus tranquille. Voici Ouzou. La Gantoise, qui est toujours devant dans ce match à quelques instants de la pause. C'est joué long. Et c'est récupéré encore une fois. On se rapproche des dernières minutes de cette première période. Il peut encore se passer des choses sur la pelouse. Long ballon dans le sens du jeu. Ah, il n'a pas pu se mettre en position de frappe. C'est rageant. Un long ballon vers l'avant. Il faut que ça va partir vite. La passe dans la profondeur. Siffler, c'est la mi-temps. On a eu une bonne entame avec une équipe sérieuse qui a visiblement bien appliqué les consignes du manager et qui est logiquement récompensée avec ses deux buts d'avance. Et ce n'est peut-être pas terminé. 2-0, c'est une avance déjà confortable. Allez, on est reparti. Pas de changement à la pause, on est reparti avec les mêmes acteurs. C'est intercepté, un peu d'air pour la défense. Voici Ouzou. Long ballon. Il n'a pas pu se retourner face au but. Quel dommage. Il allonge vers l'avant.
C'est bien défendu, il fallait vraiment être solide. Ils obtiennent la touche. Quelle inspiration! De Poitre, le centre. Il rejoue derrière lui. Encore un centre. Un peu d'air pour la défense. Il prend sa chance. Il se rattrape bien. Oh, l'occasion! Quelle occasion! Attention! Allez, c'est dangereux! Ouais, la transversale qui vient l'aider. Pas d'angoisse, encore un ballon récupéré. Magnifique, ça passe. Il compte. Oui, il peut frapper là. Et il est là encore. Directement pour le gardien. Bon dégagement, bien joué. On dirait qu'il se méfie de la vitesse des attaquants adverses. Et c'est ce qui les empêcherait d'aller au pressing, à votre avis? Oui, parce qu'une... C'est une occasion, ça! Oh, quelle reprise de volée! Ah, ça manque un peu de précision. En tout cas, il assure le show. Beaucoup de déchets techniques dans les passes aujourd'hui. La passe en retrait vers son défenseur. Il joue long. Et la défense se donne de l'air. Derrick. Il allonge le jeu. Ça joue long. Il saute le milieu de terrain directement vers ses attaquants. Voici Ouzou. Très belle ouverture. Il s'impose physiquement dans ce duel. Dans la profondeur. Bonne lecture de la trajectoire. Un long ballon vers l'avant. Et ils essaient de repartir de derrière. Une très longue passe. Quelle fait du bien cette interception. Un long ballon. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. En retrait pour repartir proprement. Oh, le petit ballon piqué. Ouf, un peu d'air. Le Cavé Courtrai qui récupère ce ballon. Ça joue sur la gauche. Il allonge le jeu. Et décide de l'avertir. Obligé de reculer. Quelle passe! C'est bien, la passe à 10. Il faut essayer d'être plus dangereux.
De Poitre qui choisit le côté gauche. Bien joué ça. C'est bien. Il peut tirer. Et c'est le but. Trois buts d'avance, l'affaire semble être pliée maintenant. Quelle intelligence dans la finition. Et c'est son deuxième but dans cette rencontre. C'est reparti, le score est maintenant de 3-0. Longue passe vers l'avant. Bonne interception, il y avait danger. Voici Ouzou. La Gantoise qui se dirige donc vers une victoire sereine. 3-0. Allez, jusqu'au bout. Il cherche son coéquipier. Il récupère le ballon. C'est osé. Il est lancé sur l'aile. C'est peut-être un peu emballé sur ce coup. Pour De Poitre. C'est joué dans l'espace. On joue sur l'aile, il est servi. La tentative ! Manque de communication peut-être sur cette occasion. Oh, voilà le coup de sifflet final. C'est fini. Aucune contestation après cette victoire, une véritable démonstration offensive aujourd'hui. Alors, que retenir de cette rencontre ? Ce but en début de match leur a fait beaucoup de bien, ils ont pu jouer.